avant que la lumière des dieux illumine le monde, il n'existait que les ténèbres contrôlées par les titans. Après une guerre sans merci, Zeus prit le contrôle des cieux et bannit les titans, les condamnant ainsi à une éternité de servitude. Le monde fut nettoyé et les mortels commencèrent à prospérer. Mais l'arrogance en a mené plus d'un à sa perte. Et même une prison construite par les dieux peut être violée. Salut à tous les amis, c'est Mantera pour l'épisode 43 de Titan Quest, avec Néron, ouais, bien sûr. Ouais, Néron Game, pour l'anniversaire édition. Hein. Ouais. Et la dernière fois, un héros, on était rendu aller par là, mais on a des gens à causer ici, j'ai vu pendant notre test, notre petit test. On a des gens à causer ici, là, plein de gens, enfin c'est les quêtes principales. Je pense. Il y a elle, là, l'ordre de Prométhée, il y a ce mec. Ouais. Ah oui, parce que la dernière fois, on a fait une vidéo sur Flatout. on est obligé de la refaire parce qu'il n'y avait pas la voix de Mantera. Le Gouac. Les soldats d'argent ouais, ne sont le pas Gouac infini. Mais nos gardes en ont peur. Ah, et moi, j'avais sa voix, mais par contre... Elle n'était pas très nette. Ouais, donc, mais on le donc il a dit, on va recommencer, donc on recommencera. Et il faut parler aussi à Feyant. Un feignant ? À Feyant et à Fion. À Feyant, Fion. Je lui dis ça. Bonjour à toi, champion. À elle. Tu viens d'arriver par bateau. Elle a plus le point vert. Dans mon pays natal. Mais je lui cause quand même. Le bruit court que tu as parcouru toute la route de la soie à la poursuite du Talkin. Oui. Pour un résumé un petit peu de ce qu'on a fait à la fin, en fait. Parce qu'on est arrivé ici à la fin de l'épisode. On le cherche, mais aucun ne l'a trouvé. La ville de Shanghai. Nos érudits étudient les anciens manuscrits pour découvrir Chang'an. Chang'an. Apparemment, voilà. Le dernier titan vaincu toujours mieux, quoi. Chang'an, mais je sais pas moi, Chang'an, Chang'an. Bof, c'est la même chose. Je vais me tirer. Désolé. Venez m'aider, espèce d'enfoiré. Allez, butez-le. Et on appuie sur pas sur W, non. On appuie sur X. Voilà. Voilà, il me manquait des gens, regarde. Il me manquait des gens. C'était pour ça, il me manquait des gens. Les blas. Bah voilà, il me manquait eux, voilà. On n'a pas changé de tenue, hein. C'est parfait. Moi si, j'ai changé de tenue, moi par contre. Comme vous l'aurez vu, peut-être, si Mantera a pas zoomé à fond sur lui sans qu'on me voie, hein. Comme il a l'habitude de faire. Oui. Parce qu'en fait j'ai mis cette tenue là, par contre ça m'empêche de d'utiliser mon bâton. Parce que je perds 20 points de force, comme j'ai changé aussi la couronne qui m'apporte beaucoup de régénération d'énergie et de santé. Mais pas encore assez pour que l'énergie remonte plus qu'elle descend. Après, mais ça va, elle descend maintenant, elle descend quand même moins vite qu'avant. Du coup, on continue par là, on était par là. Parce qu'on est arrivé par ici. J'ai trouvé 1700 or par terre. Je prends. Ah oui, mais ça, c'est quand j'ai été tué tous les monstres de l'entrée en fait. Par là. Là, il y a un mec à qui parler. C'est une époque. Ah oui, moi je lui ai causé une époque, c'est vrai. De grand malheur pour les vivants. Et c'est pourquoi nous devons entendre l'histoire de Noua, la mère de tous les mortels. Il est 4h02 du matin. Elle nous fabriqua dans la glaise. Après avoir créé tous les animaux,
afin de remplir. Avant, on était parti à faire ça un peu plus tôt. Genre, tu sais, c'était vers minuit, 1h. Ou 23h. Mais en fait, non. C'est Noua qui le remit. On est reparti aller faire le soir. Dans les quatre directions furent à des heures totalement impossibles. Elle remit le nord au ça, nord c'est la et le sud en face, Eke. À sa place. Ah, ça, ouais, c'est surtout la dissidence de Monterra, moi, je dis. Hein. C'est par là, Monterra. C'est vers le haut. Ouais. Vers le haut, la porte, on pourrait l'ouvrir, mais plus tard. Parce qu'après, les autres portes sont fermées. Les autres portes plus loin sont fermées, donc... Allez, comment ça ne sert à rien. Non, oui, elle a changé, je te l'avais dit avant qu'on commence. Je t'avais dit, c'est... elle m'a l'air d'être différente. Ouais... Enfin, ils nous le diront sûrement si elles sont différentes ou pas, parce qu'on j'espère que tu fais le petit zoom dessus là pour qu'on la voit bien. Oui, je l'ai déjà fait. Et aussi là, cette fois-ci, j'enregistre aussi, bah, comme pour le Flat Out 2. Oui. Et ça a l'air de passer. Le mec, il me suivait même pas en fait. Par contre, parce que ton personnage, faudrait peut-être que je coupe. Un petit truc là, parce que je suis en train de télécharger un jeu. Ah merde, moi j'ai oublié d'arrêter la mise à jour de The Crew. Le jeu va se lancer tout à l'heure. Bah arrête là, parce qu'en plus c'est pour ça que je t'entends entrecouper alors, un petit peu coupé. Tout à fait. J'ai pu c'est mon là. Parce que Discord hein, il n'accepte pas trop. Hein. Me revoilà. D'accord. Te revoilà. Non, la mise à jour était vraiment arrêtée. La mise à jour sur le The Crew Steam. Oui, non, c'est le The Crew Steam et mince. Uplay. Sur le Uplay, je l'avais déjà fermé. Oui, parce que celle, par exemple, par contre, sur Steam, elle se met en pause automatiquement. Par contre, je sais, des fois, même moi, je trouve ça chiant. Et alors, on s'était arrêté là. Ah ouais. Oui, je passe d'un truc à l'autre, moi. Et voici, c'est la fin de l'épisode. Je pense que vous n'avez voilà. Assez. Après 6 minutes, hein, voilà. La suite au prochain épisode. Hein. technique de bâtard pour avoir beaucoup de sous, tu vois. Et moi, j'avais vu le début et il n'y avait pas de monstre ici, donc je sais pas si on n'était pas rentré. Ça fait une semaine qu'on a tourné. Waouh. Je te laisse, moi. Y a mon copain qui vient t'aider. On va essayer de le tuer. Bandari, sorcier de terre cuite. Wow. Il est pas tellement fort, lui. Hein. Bah, il est mort. Ouais, en effet. Il a fondu. C'est de la terre cuite, il a fondu. Ah oui, c'est pas vrai, c'est... Donc tu peux passer à côté d'eux sans que on se fasse plus. Attends. Ah non. Non, ils te suivent quand même. Hein. Waouh, comment il a été repoussé. Et non, je l'ai vu passer devant moi, il a fait... Il a fait chalalalalala. Ouais, ça va être un grand palais, ça va être. C'est le palais de Shangan. Voilà. L'esprit du grand empereur. On ouvre les coffres après avoir parlé au grand empereur. Oui, après. C'est seulement son esprit, hein, là. Oula. Il est mort. Un mal ancien a corrompu mes guerriers d'Archise. Tu as détruit ce mal. Ceux qui suivent le chemin du devoir et de la vertu seront récompensés. Par contre, range-toi, être du feu, là, errant suprême, parce que t'étais un petit peu chiant à te mettre devant le mec. Moderne, mise à jour. Les soldats d'argile. C'est une quête qu'on devait faire là où maintenant on a la suite. L'armée en terre cuite déchaînée. Le beau coffre avant. Venez à bout de tous les soldats qui entrent Shangan. Le voile de nuit éternelle, il fait quoi? Oh, genre le mec il prend les sous. Et moi je prends toutes les potions et puis voilà. L'empereur de Jade, je l'ai vu. Hein. J'ai vu le 8000. Hein. Non, il y a qu'un 1000 et quelques.
J'ai vu lui mille. J'ai vu lui mille. J'ai vu le monsieur riche qui prend tout. Non, mais parce que tu sais, j'ai regardé la vidéo. Hein. Hein, je l'ai regardé la vidéo. Hein. Et ouais. Hein. C'est tout. Il n'y a pas plus. Bah non, c'est tout. La suite, elle est de l'autre côté. Tu sais, c'était fermé par les par une quête. Ah oui. Mais toutes les portes étaient fermées par les quêtes. je pensais que le palais allait plus grand que ça. Moi. Ah non, non, non. C'était juste... c'était pas un palais. C'était un palais, mais c'était le mausolée ou quelque chose comme ça. Voilà. Apportez la nouvelle au capitaine Ma Fei Bei. Dans le mausolée du grand empereur. Voilà, le mausolée. C'était un mausolée. Comme ça. On va mettre comme ça, là, quand même. Histoire qu'on voit un petit peu le personnage. Faut juste aller reparler à Ma Fei Bei, là. Lourde. Ah, bah oui. Porte en bois. Faut que t'ailles parler à Ma Fei Bei, là. Je sais même pas si je le dis bien, en vrai. À elle, là. Non, à lui. Non. À qui faut qu'on aille causer? Ah oui, voilà. À lui avec le point d'interrogation. Nous faisons de notre mieux pour récupérer ouais. Chang'an. Jaune. Nous avons d'autres problèmes que les monstres. Je ne sais pas comment, mais les soldats d'argile de l'empereur ont pris vie. Le mausolée où ils étaient enterrés est pris d'assaut. Talisman d'essence. 100 hommes en sont capables. Oui, mais justement. 100 hommes en sont capables. Justement, 100 hommes. On n'aurait pas été capables, mais nous, on est 100 hommes. Allez au palais de Jade et parlez à l'empereur. Ah, j'enlèverais bien la régène, les 90% de la régène de santé et tout le machin. Bonjour là, à toi, tout champion. De truc, mais... Je viens d'arriver par bateau. Ça me donne 26, celui-là, ça m'en donne 25. Est-ce que tu as le truc qui donne de la force? Tu as parcouru toute la route de la soie à la poursuite du tapis. Et de l'énergie. Il est arrivé dans l'énergie. Cette ville il y a peu, mais a mystérieusement disparu. Don de Ronzer. Beaucoup de membres de notre ordre le cherchent. Non, c'est de la merde, en vrai. C'est nul. C'est nul, tout ça. Je vais les vendre, tout ça, moi. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre inventaire? Bah, le talisman, on va le mettre de côté. Une épée. Une essence de... J'ai des jambières maudites robustes de force. 42 d'armure. Plus 20 d'armure, donc ça fait du 62. Plus 10 de force et plus de la régénération d'énergie. 21. Ouais, ça pourrait m'intéresser ou pas? Je sais pas, moi, c'est toi qui décide. C'est toi qui décide, hein, c'est pour toi. Hein. Fais marchander pour voir, Nero. Je le garde, ok, aussi, il le veut. De belles armes et armures, privilégiées par la garde de l'empereur. Ça, je le vends. On va faire un petit marchandage après. Voilà. Tu es chez le marchand là? Oui, attends, je vends toutes mes conneries. Ok. Et surtout pas la formule. Surtout pas. Des potions, ah, j'en ai pas assez. Je suis passé niveau 34. Déjà, je vais aller poser mes points dans la maîtrise de la terre, là, dans le plus. Parce que justement, je veux obtenir la zone enflammée que je peux obtenir seulement quand la petite barre rouge atteint le niveau 24. Que la fortune, je pense. Et comme ça permettra à mon gardien du cœur, en fait, à mon errant suprême, d'être un peu plus utile parce que il pourra mettre le feu au sol sur une certaine zone. Et tous les ennemis qui iront, ils seront brûlés. J'arrive pas à parler, moi, là. C'est quoi, ça, là? J'arrive plus à parler du tout, là. C'est quoi, ce machin? Je pense que tu dois avoir un poupée dans la gorge. Ouais, c'est ça, je dois avoir un... Ouais, un poupée, c'est ça, oui. je dois avoir Maïcha dans la bouche, en fait, c'est ça. Et moi, il me faudrait 7 points... de compétences pour avoir choc électrique.
Ouais, et après, dès que si la barre, j'arrive à la faire atteindre 32, j'aurai la métamorphose, la volatilité renforcée par l'énergie volatile de la Terre. Vos attaques de feu peuvent provoquer plus de dégâts. L'éruption, la fragmentation, l'arc de feu. Et par rapport à ma pétrification, je pourrais avoir aussi la roche en fusion qui permet une contre-attaque de feu. Quand je suis en fait, quand je me protège, vu que tu vois, des fois il y a des monstres qui viennent quand ils m'attaquent, que ma vie est basse, je me protège. Et justement, là, s'ils m'attaquent, si j'essaye qu'ils m'attaquent, si j'ai roche en fusion, eh bien, s'ils m'attaquent, ils subissent une contre-attaque de feu. Donc ils ont une brûlure de 6. Le souffle destructeur. Ça fait peur. Ça fait très peur. Vos ennemis devront obéir à vos ordres, mais attention, ils finiront par redevenir maîtres d'eux-mêmes et se retourneront contre vous. Inefficace contre les monstres d'au moins 5 niveaux de plus que vous. Pas super utile. Onde mortelle. Émet une vague mortelle qui épuise la vie de tout être vivant à proximité. Oui, toi, tu voulais voir ça. Moi, j'étais en train de regarder mes capacités et tout. Alors, qui pourrait te plaire, j'aurais ça, je pense. Et peut-être ça, je sais pas. Voilà, je te montre ce qui pourrait te plaire. Bah, si j'ai gardé ce qui pourrait te plaire. Un home comme ça, j'en ai déjà acheté un. Oui, un home robuste. Et pour le plastron, non. Et pour les jambières, c'était surtout les jambières le truc. Est-ce qu'elles sont plus fortes que les jambières de Ramsay? Elles sont bleues? Non. Non. Un armure. Ah, il y a quand même 62. Après, voilà. Bof, bof, bof. J'ai 84 d'armure. Voilà. Et on mettra les 4 points. On va attendre pour les mettre. Moi, je les ai mis parce que j'en ai besoin. Et je les ai mis dans la force. Et on va parler à ce... Érudit. Le grand maître Confucius nous a appris que les richesses et la vertu amélioreraient le monde. Mais à quoi bon quand des bêtes brûlent nos maisons et prennent nos murailles d'assaut? Et t'as vu, lui il est pas content, là, les rangs suprêmes. Hein. Il est pas content qu'on lui cause. Oh que non, je te dis. Nous, on peut aller par là. Direction la suite. Ah, merde. Ah, si, c'est ouvert. Mais quoi par là? La porte de la vallée de Jigé. Ah, la porte de la vallée de Jigé, elle est par là. Oui, mais on peut aller par là aussi, je crois. Il n'y a pas quelque chose de ce côté-là? Non. Pas quelque chose de ce côté-là? Non. Si, il y a une porte. Ah, oui, mais... Désolé, non, cette porte est toujours fermée. Il y a trop de monstres de l'autre côté. On doit aller de l'autre côté. Ah oui, c'est pas des monstres de merde qu'il y a de l'autre côté. Hein. Ah bah non, c'est pas de la merde. Tu viens? Tu viens parce que... Parce qu'il y a plein de monstres de ce côté-là et je vais me faire massacrer. Ici, me semble, dans ce petit passage, un mur cassé. Oh, c'est pas passé loin. Des squelettes. Mais vous êtes juste des squelettes, voilà. Vous êtes rien de bien méchant. Voilà. Rien du tout. Le pire.
pillage. Le pillage de l'amour. Absolu. Moi, je saute par-dessus la barrière. Bah, par-dessus le mur. C'est un fou. Quoi, on n'a pas le droit d'aller ? Quoi ? On ne peut pas ouvrir la porte maintenant. Et où est-ce qu'on doit aller alors ? Lol. Alors, attends. On va savoir quand même où est-ce qu'il faut qu'on aille. Ça, c'est fait. Ça. De tous les soldats qui ont Chang'an. Donc, on va buter tout ce qui bouge ici. Tout ce que l'on peut buter ici, on le bute. Ah, peut-être par là, dans la fontaine de Renaissance. Tout ce qu'on peut buter, on le bute. On est d'accord ? On est d'accord. De toute façon, c'est bon. On bute tout ce qui bouge. Ah tiens, il y a un passage ici. Oui, c'est le passage que j'ai vu, que j'allais te dire. Bon, bah, on se tire. On a l'air... J'ai l'air tellement paumé, moi, en vrai. Bah, alors là, oui, parce que... Après, faut bien savoir où c'est, tout ça. Mantera qui est dans la mêlée. Mantera qui est tout le temps dans la mêlée, hein, tranquille. Bah c'est un guerrier, hein. Des fois il s'est un petit peu démonté et du coup tous les monstres se retournent vers moi et je me fais déglinguer comme jamais. Comme là j'étais bloqué. Allez, crevez tous. Voilà. Pas mal tout ça. On n'a pas vu grand chose en vrai là. Non. C'est... Ah si, de la baston. Ah ça c'est sûr, de la baston. Ça bastonne dur, hein. Attention, lui. Non. Écran. Mon écran de quête s'est ouvert au même moment. Lol. Il a fait nope. Ça se passe trop bien pour toi là. T'es pas mort là, depuis le début t'es pas mort, il se passe quoi là? C'est Cake qui est avec moi. Ouais, c'est Cake. On a praise Cake. Du coup ça passe. Du coup Cake est avec nous. Est-ce qu'il faut qu'on passe là-dedans? Ça se voit qu'on est paumé ou pas? Oh, tout à fait, oui. Mais je pense que c'est par là. Non. Oui, il y a du monde, c'est par là. Il y a du monde à tuer, c'est par là, ok. Là, le guide, c'est mon terrain. Là, c'est pas moi, pour une fois. Un arc. Et non. Mais prends les pièces! Mon personnage qui voulait pas prendre les pièces! Une essence. On saute les essences. Ah bah on les a toutes, hein. La petite visite dans le coin des bambous, là? Non, on peut pas aller dans les bambous. Non, on n'a pas le droit. Non, non. Ah, j'ai vu Jésus Raptor. Tu l'as causé, là? Tu l'as causé, Ranjou, là? Non, j'ai vu Jésus Raptor, je l'ai défoncé. Raptor, Jésus, j'ai été poutré la face. Il lui a pris la respect, voilà. Vas-y, Ranjou, bon. Il est par là, Ranjou. C'est Ranjou. Non, Rangju. Il est là. Du pognon et une grande potion. Si tu souhaites parler à Ranjou. Oui, on va zoomer pour bien le voir quand même. Il est nudiste. N'ayant besoin ni d'armes ni d'armure, j'ai tout jeté dans une grotte des environs. Ok. On doit trouver la grotte où il a jeté ses affaires pour tout récupérer. En mode gros pillage. Ça va pas poser de soucis. Voilà. C'est ce qu'on sait faire le mieux. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait depuis le départ, hein?
On va dans les tombeaux et tout, et puis on pille. Ouais, je croyais que c'était quelqu'un qui était en train de me tirer dessus. On est dans la forêt de bambou, dans la forêt de bambou de Kinjaba. La forêt des bambous. C'était chaud là. Quoi, ça va pas trop chaud. Ça va pas trop chaud de ton côté? Non. Ça se drogue à la potion. C'est immense de côté. L'entrée de la grotte, elle est au bout là-bas. Allez, on meurt. On est gentil. Oh, Jésus Raptor a évolué. Ah non, mais c'est le papa. C'est papa Raptor, ça. C'est le papa de Raptor Jésus, ça, en fait. c'est son père, tu vois. Voisin! Allez! Un coffre en cajou! Et on retrouve dedans des pièces d'argent, des pièces, des infos, des pièces. Ça fait longtemps qu'on a pas eu de bleu quand même, hein. Ouais. Comme ça commence à manquer un petit peu le bleu, hein. On remonte un petit peu par là. Non, on est à la grotte là, si tu veux. Waouh, dragonien ancien. Alors, le dragonien ancien et les fléaux de feu. Non, c'est lui le papa Raptor, le père Raptor en fait. Je crois. Ah, le roi, ok, oui. J'ai vu ça là. Waouh, mais ça vient d'où tout ça? Tu viens? Le mec il se barre, le mec il veut pas faire les grottes, tu vois. Ah, il y a un papa là encore. Oui, mais là t'es en train de te tirer là, tu vois. Et le papa il est en train de me. Mais le mec. C'est bien, le mec je lui dis, non mais faut revenir, et le gars, bon il revient direct, et il arrête de se battre, il revient avec tout le monde. J'étais en train de fuir parce que ma vie elle a baissé à une vitesse. Avec toi. Avec monsieur, maman, Raptor. Papa. Tu viens à l'arc du coup? La grotte, hein. La grotte pour les l'armement, peut-être qu'il y aura du bleu. J'espère qu'on va avoir du bleu à un moment quand même, ça fait... Bah, oui. Ça fait au moins 2 épisodes quand même, on n'a pas eu de bleu. Peut-être 3, je sais pas. Mais au moins 2 épisodes. Ah, oh, j'adore ceux-là. Ouais, moi aussi j'adore ceux-là, ils sont faciles à battre. T'as vu, on a retrouvé nos copains. Tout à fait. Oh, la grotte, elle était plutôt petite. Hey, y a pas de... Ah, ah voilà. Vrai. Ah, je me disais, attends. Bon, si elle est grande, s'il y a 4-5 étages, toi, à descendre, pour la remonter, on a. Faut le doigt. Comment je dis? Faut le doigt la couper. Après, c'est. Il y a des fois, j'ai des accents qui arrivent comme ça. Donc... Après, c'est le système avec du montage. Ouais. C'est la magie du montage. Oh les zombies. Mais ils sont plus très forts maintenant, hein. C'est un escalier qui monte et sinon on n'a pas. Ça va, pas trop de mal à les tuer quand ils me courent après? Si, beaucoup. Donc le système que j'ai fait, c'est je reste en plan. On peut aller par là, oui? Oui, ça par monte. Là. Parce qu'on a 2 voies. Ah, ça, faut le péter. Voilà.
Oui, parce que je t'ai vu que tu cassais ça, toi, avant. J'ai dit, allez, on casse ça direct. Comme toi, comme tu faisais. Ouais, ça va, hein, je suis à... À 80, là, 80, 60, 80. Je crois que je dois pas passer en dessous des 60. Ça va, ça va. Moi, on n'en parle pas. Oui, toi, t'as un PC beaucoup plus puissant, hein, voilà. Hein. Monsieur, il a un PC puissant, hein. Donc, voilà. Là, c'est une sortie, donc je pense que l'autre côté, c'est une sortie aussi. Et, il faut qu'on retourne à l'intérieur parce qu'on n'a pas fait un côté. Et après, on se téléporte. On se téléportera. Je vais poser un portail ici. Et comme ça, quand on sera de l'autre côté, on pourra. Tu poseras ton portail de l'autre côté et on pourra se téléporter de ce côté-là. Mmh. On n'aura pas besoin de faire tout le trajet et on n'aura pas besoin de faire de montage sur ce passage-là. Bah oui, hein. Faut bien utiliser les mécaniques de gameplay. Hein. Tout à fait. Ça fait pas mal de temps aussi qu'on n'a pas utilisé non plus le téléport. On ne l'utilise pas plus beaucoup là. Voilà. Okay. Bon, général à la retraite. Les coffres. Voir. Ouh, du bleu, j'ai vu du bleu, je l'ai pris. Je laisse prendre Nero. J'ai vu du bleu, je l'ai pris, c'était Juke. J'ai eu le temps de lire, c'était marqué Juke. Et moi, mais je pense pas que ça sera du matos pour moi, ça. Pire en plus, c'est que sa vie, elle descendait presque pas en plus. Donc attends, Juk. Ouais, c'est une épée. Moi j'ai eu un. C'est une épée qui tape et elle tape très rapide. Regarde la. Attends. Regarde si je peux réellement la mettre. Tu m'apportes 14 de force si je l'enlève. Ça passe. Voilà, regarde la tronche de l'épée. Lol. Attends. Ah, c'est cette épée-là, Juke. Stylé. Ça, elle est belle, hein. Ouais. Je la garderai bien, en vrai. Mais ton épée fait combien de dégâts? Je te le dis tout de suite. 93% d'absorption. Tout en haut, c'est tout en haut, juste en dessous le nom de l'arme. 41 à 47. Elle a fait 33 à 38. Il y a plus 15% de dégâts physiques, 36% plus de dégâts des stocks, 13% de résistance à les stocks et à l'électricité, plus 22% d'intelligence, plus 10% de vitesse d'attaque et 10% de chance d'esquiver les attaques. Et toi, il y a quoi dessus? Moi, il y a 93% d'absorption de vie, 11% de réduction de la vie de l'ennemi, plus 2 de régénération de santé par seconde, 60 de capacité d'offensive et 10 de vitesse d'attaque. 10%. Du coup, voilà. Alors. On va tuer. On va tuer des gens? Ouais, voilà. Tu ne la veux pas, alors? Non. Du coup, je la garde. Je vais la mettre à la place de l'autre arme que j'avais. Mais par contre, pour le style, elle est filée. Ah, ça, c'est sûr. Et je vais mettre juste la hache, je vais juste la mettre en deuxième arme. Comme ça, si j'ai envie d'alterner, je pourrais alterner. Voilà.
Du coup, tu es parti de quel côté? Du côté... Parce qu'il faut qu'on remonte encore. Du côté remonté. Oui, j'ai un côté du côté par là. Et parce que je t'avais pas vu partir. Et c'est la fin. C'est une sortie, on peut aller faire la sortie de ce côté-là. Ouais. C'est le tombeau. Tu poseras ton portail quand on aura fini le ce coin-là. Ah, ça fait un peu plaisir d'avoir un petit peu de bleu. Oui, mais il est rare. Hein. Mais des fois, il est pas là pour nous. Qu'est-ce que ça fait des zombies là-dedans? Attends. Ça, c'est un truc qui est à moitié détruit. Ouais. Ça ne présage rien devant. Il y a l'air d'avoir des monstres de ce côté-là. Est-ce qu'il y a un passage à l'intérieur, là? Non. Mourir un petit peu. Voilà. Allez. Bah l'autre, il a passé la cascade. Ouais, c'est vrai quand même, je la trouve plutôt belle quand même, cette arme. Ah j'ai fait un petit zoom là tout à l'heure. Allez, c'est bien moi quand j'ai vu la première fois. L'inventaire, comme ils sont fortes, ça se remplit bien, ça se remplit bien. Moi, pour l'instant, ça va, il y a encore de la place. Donc, je pense qu'on a fini de ce côté-là. On va aller vers le bas, sauf si tu avais rien d'autre vers le bas. Attends, j'ai pas été... Il y a pas de pareil si j'ai fait le ménage. C'est parce que j'ai fait le ménage. Ouais. C'était juste ça, non? Et vers le bas, là, il n'y a rien d'autre ici. Donc vas-y, pose ton portail ici, là. Et puis tu te rends au mien. Regarde, on se rend Palais de Jade, le orange. D'accord. Vas-y, parce que moi, si je passe avant toi, il va disparaître. Ça serait dommage. Voilà, la téléportation. Ah, au palais de Jade, il n'y a pas l'air d'avoir de TP alors? Bizarre. Si, il y en a un, mais on a peut-être pas trouvé. Pour l'instant. Bizarre, ouais. J'ai pas fait attention. Mais... Oui, parce que sur l'autre d'en dessous, on voit qu'il y en a un, mais palais de Jade, il montre pas qu'il y en a un. Pourtant, on avait la direction aussi, palais de Jade. On aura une autre grotte vers le bas. Ça se trouve, ça, c'était la vraie... La vraie sortie où on va avoir une grande zone de ce côté-là. Ça me rappelle... On en vient déjà d'ici. On en vient d'ici? Oui, parce que c'est déjà tout découvert. Donc, on passe dans la... Ah, c'était le tour. Voilà, on a fait le tour. Donc, vas-y, on descend là par là, et puis on y va. On avance. On continue. T'es pas retourné dans la grotte? Non. Je remonte. Oui, t'es vers le bas. Oui, mais il faut avancer. Hein, vers le bas, en fait. Ah, moi, je suis vers le haut. Non, mais parce qu'en fait, là, c'était les seuls chemins qu'il y avait, je pense, dedans. Oui, parce que on vient du bas. On vient du bas. Si tu veux venir jusqu'à moi rapido, s'il y a un portail pas loin. Un maillet de guerre bleu. Je veux bien passer par là. Ah, voilà.
C'est parce qu'en fait, il y a sûrement un village, il y a un village entre les deux, là. Ah non, okay. Portail du palais de Jade. Ah oui, peut-être parce qu'en fait, il l'indique pas là, parce qu'en fait, on a déjà posé un portail en fait. Grèce, Égypte, Orient. Là en vrai, il y aurait la place d'en mettre deux autres, mais il y aurait la place de mettre qu'un autre acte dans la zone quête. Bizarre tout ça. Tu arrives ? Oui, je me fais attaquer par des bandes émeraudisées. Parce qu'aussi j'ai eu la très bonne idée de mettre le petit truc qui me montre un petit peu le temps, les FPS et tout là, pile à l'endroit où il y a la carte. Alors je passe devant la personne qu'on a parlé. J'ai eu la merde. T'es parti dans la mauvaise direction là. Bah en bas j'ai tout découvert moi. Mais il faut aller vers le bas justement. Bah, c'est là la suite. Ah. Mais c'est là la suite. Mais le mec, tu retournes vers la ville là. Oui, parce que c'était tout noir, donc c'est pour ça. On a rien à faire là-haut. Bah j'ai eu un maillis de guerre. Et là, il y a la grotte. C'est dans la grotte qu'il faut retourner. Non. Faut pas retourner dans la grotte. Je peux pas aller plus bas que les rochers. Mais viens par là. Bah, j'étais du bon côté. Viens par là. Non. Du bon côté. Et tu m'as fait tourner. Là. Il n'y a pas de mec à côté. Il n'y a pas de mec ici. On voit pas de mec là sur le... J'ai pas vu de mec, moi, sur le chemin. J'ai pris juste en haut que j'ai tapé les monstres que j'avais pas tapé. Du coup, après, on peut passer par là ou par là, ça fait la même chose. Bah là, et tu regardes le portail qu'on voit qui apparaît sur la mini carte là, ouais. C'est marqué portail du palais de Jade. Donc si on a un. En tout cas, j'ai bien été en haut pour tuer les monstres pour avoir le maillot. Au moins ils sont bel et bien morts. Le petit portail, on l'active. Voilà. Et de la discussion un petit peu après de la bataille. Certains pleurent et jurent contre ces monstres. Mais eux aussi font partie de la. Et le Mandira qui s'est paumé. Le sage accepte, étudie et combat sans peur ni désir. Et on va s'arrêter là pour notre vidéo. On peut s'arrêter devant le palais de Jade qui doit pas être loin. Je fais le tour de la zone. Non, il est. Il doit être par là. Oui, il est là. À mon avis, il doit être par là, mais il doit être encore loin. On peut s'arrêter là. On va être devant le portail. J'aime bien m'arrêter au portail des dieux. Là. Ça fait. En vrai, c'est les dieux qui les ont créés. Hein. Enfin, c'est les dieux. C'est nous qui les avons créés. Enfin, les gens qui habitent ici, qui l'ont créé. Qui habitaient ici avant, qui l'ont créé. Mais. Dire que c'est les dieux quand même parce que c'est la mythologie les choses comme ça là. La mythologie du jeu sur ce oubliez pas un petit partage et un pouce bleu si vous avez aimé. Oui, le petit pouce bleu qui fait plaisir. Oui. Et sinon nous on se retrouve dans un prochain épisode coop ou let's play en cours. Ouais. Comme ton petit let's play que t'as commencé. Ouais. Bisous. Et d'ailleurs, je trouve qu'il est plutôt bien. A plus. A plus.